Hop, salut à tous, c'est Tojip et on se retrouve tout simplement pour ce petit live du mercredi, tout tranquillement. Je vois qu'il y a un petit code erreur du reste, donc c'est pas grave, je vais activer ça plus tard. Quoique, je crois que c'est tout simplement ce truc à la con. Supprimer, voilà, merci. Code erreur, supprimer, ça c'est nice. Du coup, on se retrouve sur Assassin's Creed encore une fois pour tout simplement essayer de terminer ce petit DLC des familles. Si c'est le cas, que le live dure pas très longtemps, on switchera sur Assassin's Creed Premier du Nom pour commencer une aventure et tout simplement torcher le jeu de A à Z, hein, tout ce qui est niveau quête, hein, je précise bien, niveau collectable, on s'en fout. Moi, c'est sur mes lives, ce que je privilégie, c'est tout simplement tout ce qui est, comment dire, quête. Voilà, tout ce qui est quête. Quête principale, secondaire, tout ça. Vraiment, les collectables, je m'en tamponne. Ok, j'adore poncer le jeu, ok, j'adore faire les 100%. Mais au bout d'un moment, les collectables, merci, mais non, merci, quoi. Quand tu as 999 trucs à récupérer. Une fois, mais pas deux. Du coup, ouais, Assassin's Creed Odyssey. Là, on est à 146 heures, presque 147 heures. Donc, on y va tout de suite. Et je suis tout simplement accompagné de ma petite Bibine. Voilà, histoire de se défendre bien correctement. À la vôtre. Si vous êtes mineur, je vous rappelle qu'il ne faut pas boire, ou du moins, il faut éviter. C'est... Alors pourquoi je dis éviter? Parce que tout le monde ne le respecte pas forcément. Mais ouais. Éviter, c'est déjà pas très très légal pour un mineur de boire. Donc ne créez pas trop de problèmes, ça peut être pas mal. Voilà. Surtout à votre entourage. Donc nous, la précédente session, on s'est arrêté ici tout simplement pour aller buter, enfin faire la quête du coup, là voilà, hop, faire cette quête là et aller buter les quelques gardes restants et ensuite voir qu'est-ce que le Hadès va nous proposer d'autres comme quête et tout le bordel. J'ai oublié de ping. Il faudrait que je ping un certain monsieur qui se situe ici et après le dernier sera tout simplement là. Il nous en reste deux à tuer. Donc ça va aller relativement vite pour tout ça. Puis après, tout simplement, on y va. Je pense qu'on ira voir Hadès s'il ne vient pas à nous. Et puis tout simplement, bah, on verra par la suite si on changera de jeu ou pas. S'il y a d'autres quêtes ou non. Oui, cheval. Avance. Alors, ce cheval-là est immortel aux dégâts de chute. Donc, tant mieux. Clairement, tant mieux. Mais je pense pas que ça fasse tout, quoi. On peut pas vraiment planer avec. C'est vraiment genre anti-dégâts de chute. Ok, donc voilà, on descend. Merci. Cassandra, non, descend, merci. Voilà. Hop, on va tout simplement pouvoir continuer notre chemin à travers ce voile du Tartare cette fois-ci. Se montrer très vigilant. Voilà, donc là on est rentré dans la zone et on va devoir affronter le roi Agamemnon que j'ai toujours autant de mal à prononcer. Enfin, ils vont voir un vestige de moi. Incline-toi devant ce roi. Je ne m'inclinerai que si tu vas aux portes protéger les enfers. Et résistant. Je
que celui des Troyens. On n'en parle plus. Cet endroit a besoin d'un roi, Agamemnon. Va aux portes et protège les gens comme tu sais le faire. Hop. Et encore un gars de vaincu. Donc maintenant, de ce fait, on va tout simplement pouvoir aller au niveau du Tartare. Ouais. Alors je vais me téléporter là en vrai. Je vais donner l'accès là-dessus, enfin le... Je vais mettre un ping là-dessus tout simplement et on va y aller. On va y aller. Voilà, donc là, du coup, on est vraiment pas loin. Juste ça à traverser, puis il y a quelque chose près, on y est. Téléporter ici. Ouais. Donc cette fois-ci, on va enfin pouvoir entrer directement dans le Tartare. Oh ouais, il y a des trucs à faire aussi, mais bon, Osef. Tu ne me vois pas, c'est faux, je ne suis pas là, je rentre dans le Tartare au calme. C'est particulier. Wow. Merci. Ok, donc pour eux, c'est à ça que... Pour Ubisoft, là, pour Assassin's Creed Odyssey, c'est à ça que ressemble le Tartare. D'accord. Bah, ça me paraît plutôt sympatoche. Avec des géants qui sont cloutés. On sait pas vraiment si ce sont des géants, des cyclopes, des trolls ou je ne sais trop quoi. Ça ressemble plus à des cyclopes du reste. Ouais. Oui, c'est moi qui ai tué Cerber. Héraclès, je ne suis pas là pour me battre. J'ai besoin de toi. Ah, il a voulu se battre, hein. Pas de soucis. Hop. Autre chose? Non? Héraclès, lève-toi et deviens un héros pour Hadès et tout le peuple des enfers. Voilà qui est fait. Et au passage, on passe niveau 80. Tranquille. Hop, niveau maîtrise, assassinat, pof, on va augmenter ça direct. C'est fait. Alors ouais, on est toujours dans le Tartare. Nous n'avons plus de quête à suivre, comment cela se passe. Ah bah si, parler à Hadès, très bien. Mener à bien les travaux de la gardienne. J'achèvera cette aventure dans les enfers. Oh. Et on gagne... On gagnera aussi des récompenses spéciales.
Et moi, ce que je suis curieux, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a. Bah, en fait, il n'y a rien, en fait, à part. à part un cadavre, un squelette de je ne sais trop quoi, d'un géant, lors de la lave en fusion. Plusieurs quêtes acceptées. Ok. C'est faux. Le jeu, tu mens. Le jeu, il ment. Et ouais, donc de ce que je vois, on peut pas monter tout en haut non plus. C'est un peu la tristesse. J'aurais bien voulu genre explorer un petit peu, voir comment c'est foutu, mais non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. C'était juste une salle de type arène en fait, au final. Ouais. Alors est-ce qu'on peut genre, oui, on peut carrément. C'est la gratuité. Alors, ouais, avant que tu viennes me faire chier, hop, je vais tout simplement me restuffer de mon build, de sorte à faire beaucoup plus de dégâts de type assassin, bien évidemment. Tenue de pirate. Voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Hop, et ça partir de one shot. Hop, donc du coup, on va sortir tout bonnement de cette zone. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Je peux vraiment pas. Ah, bah, quand même. Ok, donc 900 mètres, est-ce qu'on peut se téléporter plus proche? Ouais, bah c'est carrément aux enfin, à l'entrée. Plus proche, en vrai, c'est kiff-kiff. Hein. C'est kiff-kiff. En plus, le terrain, il m'a l'air pas trop dégueu, donc on va y aller à cheval. Voilà, tout bonnement. Allez, on y va! Tout bonnement. Hop. Il va juste falloir qu'on fasse un petit tout droit. Il y a le chemin qui est en face, là, c'est parfait. Ouais, ce cheval prend 0 dégâts de chute. Ça, c'est nice. Bon, et après, ils ne volent pas réellement non plus. Et ça, c'est moins nice. Alors, je crois que c'est pas le bon chemin. Effectivement, il aurait fallu que je descende ici. On y va maintenant. On descend. Est-ce que je peux one-shot un péon? C'est raté. Je crois que je l'ai one shot. C'est de la gratuité, encore une fois. Ok, donc on va bientôt retourner au niveau de l'entrée de son royaume. Ugh.
revoilà Cassandra, le visage flamboyant de victoire. Où est ton frère? Il n'y avait pas un pari entre vous? Il a déjà été réglé. Il a perdu. Les portes ont des gardes, les âmes perdues de Caron ont trouvé la paix. Bon, dis-moi ce que tu sais sur le bâton. Je ne t'ai jamais promis cela. Je n'ai parlé que de ton destin. Mon destin est de maîtriser ce bâton. Et tu vas me montrer comment. Tu n'es pas et n'as jamais été en position de marchander. Ta vie m'a appartenu dès que tu as tué Cerbère. J'aurais pu demander à n'importe qui de poster des gardes à ses portes. Mais il fallait que tu t'habitues. De quoi est-ce que tu parles? Oh, je ne t'ai pas dit. Il y a une cinquième porte, et tu vas passer le reste de l'éternité à la protéger. Non. C'est ça, ton destin. Je ne me suis pas soumise à ta femme, et je ne me soumettrai pas à toi. On va clairement le défier. Oh, que si tu vas te soumettre. Oups, voilà. Voilà. On est en train de combattre tout simplement notre cher Hadès, qui m'a l'air plutôt nul au final. Hein. Dommage qu'il en soit ainsi. Tu aurais fait un super bajou à ma collection de. Ouais. Le chat, tu veux bien? Voilà, merci. Déjà, une attaque de compétence, il doit sentir life. Hein. On va le finir comme ça. Si ça veut bien. Non, ça le finira pas. Dernière chance. Travaille pour moi ou souffre jamais. J'ai déjà souffert. Ah, il a esquivé. Je sais pas qu'est-ce que t'as essayé de faire là. Ah d'accord. Ok, on peut pas se laisser toucher par ça. Je croyais qu'on pouvait parer son truc, mais non, absolument pas. J'aurais pu le first try, mais bon, étant donné que je ne savais pas à quoi m'attendre, c'est raté. Mais ouais, défier les dieux, ouais, moi, ouais. Je dois me retaper tout le chemin. Allez, on y va. Bah, allons-y, hein, c'est parti. Et cette fois-ci, on se fera pas avoir une deuxième fois, hein, clairement. On va pas lui laisser le temps. Je voulais voir ses attaques, son pattern, tout ça, mais... C'est pas oufissime. Hein. Franchement, pour un dieu... pour un dieu de l'enfer... pas ouf, quoi, le gars. Pas ouf. Pas trop ce que je voulais faire. Voilà. Et cette fois, on va la voir. Allez. Et juste faire une petite sauvegarde ici, vite fait, pour éviter de se retaper tout le chemin.
Bien le bonsoir, monsieur Cassandra. Ouais. Ouais, effectivement, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ouais, merci. Bien le bonsoir à toi aussi, Redbird. Et j'espère que tu vas passer quand même une agréable soirée sur mon stream. Là, je suis en train de réaffronter Hades. La première fois, je me suis juste laissé surprendre par une de ces attaques que je pensais pas du tout faire OS. Mais ouais, je vais pas lui laisser une deuxième chance, hein, clairement. Pas lui laisser une deuxième chance. Ah, revoilà Cassandra. J'ai juste, vu que vous n'étiez pas là tout à l'heure, j'ai juste lui laissé, enfin, vous laisser du coup le. Où est ton frère? Les textes. Il n'y avait pas un pari entre vous? Il a déjà été réglé. Il a perdu. Les portes ont des gardes. Les âmes perdues de Caron ont trouvé la paix. Mais ouais. Bon. J'ai toujours eu pour but de défier les dieux. Enfin, dans ce jeu en tout cas. Je ne t'ai jamais promis cela. Je n'ai parlé que de ton destin. Oui, Hadès, tu vas mourir. Mon destin est de maîtriser ce bâton. Et tu vas me montrer comment. Tu n'es pas et n'as jamais été en position de marchander. Ta vie m'a appartenu dès que tu as tué Cerbère. J'aurais pu demander à n'importe qui de poster des gardes à ses portes. Ouais, mais non. S'il fallait que tu t'habitues. De quoi est-ce que tu parles? Oh, je ne t'ai pas dit. Il y a une cinquième porte, et tu vas passer le reste de l'éternité à la protéger. C'est ça, ton destin. Je ne me suis pas soumise à ta femme, et je ne me soumettrai pas à toi. Monsieur pas content. Oh, que si tu vas te soumettre. Alors, boy, je t'explique. Voilà. Dommage qu'il en soit ainsi. Déjà, voilà. À ma collection. Je ne suis pas morte. Dernière chance. Travaille pour moi ou son. Voilà. T'en veux encore? Bon, déjà, on a... On a récupéré sa lance type H et son casque. Je ne vois pas ce qu'il y a de trop. Comment battre un dieu en 2-3 mouvements, littéralement. Tu agis comme si tout ça avait de l'importance. Mais où que tu sois, tu es une captive. Ah non, boy. Voilà. Succès déverrouillé, authentique dirigeant. Nice. Et elle m'a débranché une deuxième fois, cette garce là. Qu'est-ce que tu as fait? Eh, hey, tout va bien en bas? Coupe la liaison! C'est allé trop loin. Ça suffit, j'arrête. Je peux y arriver. Tu n'es plus toi-même. Et toi, tu fais l'enfant. Regarde-toi! Tu ne vois pas ce que le bâton est en train de créer? Te connecter aux mémoires de Deimos. Te promener dans les enfers. C'est l'effet de transfert. C'est en train de te bouffer. Il faut que tu arrêtes. Rends-le-moi, tout de suite. Non! C'est le bâton ou moi. Il va falloir choisir. Bah le bâton, hein, clairement, meuf. Lâche ça! Ça n'en vaut pas la peine. C'est pour ton bien. Voilà. Debout, Victoria. T'étais pas obligé de la frapper non plus, mais non. C'était tellement prévisible. Il doit y avoir une erreur. Non, c'était un accident. Je le jure. Je sais pas ce qui m'a pris. L'héritière des souvenirs n'aurait jamais fait ça. Fait ça?
Victoria était mon amie. Ce n'était pas moi. Cela ne va pas. J'ai besoin de toi. Tu crois que je l'ai fait exprès? C'était le bâton à Aletheia. Je ne suis pas comme ça. Je ne tue pas. L'héritière des souvenirs de ma vision savait raisonner. Ta réaction a été purement viscérale, presque animale. Je crains que ce que j'ai créé pour toi ne puisse rien apprendre. Je suis l'héritière des souvenirs. Je peux contrôler le bâton. Écoute-moi. Je sais que j'en suis capable. Ce n'est pas à toi d'en décider. Moi seule juge ta valeur, même s'il est peut-être déjà trop tard. Très bien. Je vais m'absenter un moment. Mais veille à ce qu'il ne lui arrive rien, d'accord? Et ne pars pas. S'il te plaît, je vais revenir. Je n'irai nulle part. Désolée, Victoria. Mais il faut que je continue. Oui. Est-ce que... Non, bah non, on peut pas voir. Déjà de retour? Allez, Théa. Je sais que je ne suis pas restée longtemps dans l'Animus, mais ça ne pouvait pas attendre. Je me suis demandé si je devais ou non te laisser poursuivre. J'ai la réponse, mais j'ai peur qu'elle te déplaise. Ne me dis pas que je ne peux pas entrer dans la troisième simulation. Désolée, Layla. Je me suis trompée dans mes calculs et je t'ai intégrée alors que c'était une erreur. C'est clair, maintenant. Il est temps pour toi de quitter l'Atlantide. Tu n'as pas le droit. Pas maintenant. J'ai vu l'Élysée et les Enfers. Tu ne peux pas me priver de ça. Si j'avais su que cette réalité emprunterait cette direction, tu n'aurais rien vu de tout ça. Tu es trop humaine. Ton ADN a succombé au pouvoir corrupteur du bâton. Écoute, je sais que l'effet de transfert est réel et qu'accéder à la mémoire de Deimos m'a affecté. Mais j'ai étudié les artefacts Issou. C'est la dernière étape de mes épreuves. Quand elles seront terminées, mon ADN pourra surmonter l'emprise du bâton. Peut-être. Mais cela n'arrivera pas. Mes simulations te sont fermées. Écoute-moi. C'est horrible ce qui est arrivé avec Victoria. Mais comment puis-je espérer apprendre à contrôler mes pulsions si je n'en sais pas plus sur le bâton? Ça dépasse de loin ton apprentissage. Je voulais de la création, mais tu as apporté la destruction. Seulement parce que je ne sais pas encore tout. Tu voulais m'instruire, et je veux toujours de tes leçons. Laisse-moi une autre chance. Même si j'acceptais de te laisser entrer, tu n'as plus de médecin. Si je pouvais annuler sa mort, je le ferais. Mais je ne peux pas, et il faut que je continue. D'après ses calculs, ton corps ne sera pas capable d'endurer les simulations. Mon corps va bien. Le bâton a maintenu Cassandra en vie des milliers d'années. C'est une garantie de protection. Ton esprit est une autre affaire. Tu n'es pas en mesure d'en évaluer la dégradation. Si tu y réfléchis bien, le bâton soigne Aletheia. Il pourrait augmenter mon intelligence, ma maîtrise. Me rendre invincible. Aventureuse comme hypothèse. Laisse-moi la vérifier par moi-même. S'il te plaît. Vas-y. Merci, Aletheia. Tu ne le regretteras pas. C'est parti. Je te retrouve à l'intérieur. Je le sens moyen. Je le sens très moyen. Inutile de crier. Tu n'es pas chez toi, mon frère.
Hadès n'a plus rien à t'offrir. Tu n'es pas destiné à rester ici, ni dans l'Élysée. Tu n'étais pas à ta place sur Kefalonia, et tu ne l'étais pas plus à Sparte. Je peux t'offrir un lieu où tu seras chez toi. Il est temps que tu le découvres. L'Atlantide t'attend. N'importe quoi sera mieux que ça. Je ne l'oublierai pas. Hadès qui se fait aspirer par l'une de ses propres failles. Tu n'as pas besoin de ça ici. Tu ne crains rien. On m'a déjà dit ça. Cet endroit est différent de ceux que tu as visités. Pas de Perséphone, ni d'Hadès. Il y a toi. Rien que moi, le Dicaste Basileus, grand arbitre de toute l'Atlantide. Mais pour toi, je suis Poséidon. Ce que je t'offre, gardienne du bâton, c'est une place à mes côtés. Rejoins-moi en tant que Dicaste. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, Dicaste. Ouais, c'est particulier quand même, hein. Bienvenue chez toi. Tu veux que je vive parmi les dieux? Ouais. Je vais d'abord lui poser des questions en vrai. Cet endroit est la véritable Atlantide? Je veux dire, elle est intacte. Je croyais que cette ville avait été détruite. Tous les 7 ans, si elle est jugée imparfaite. Notre grande cité entame un nouveau cycle. Et qui en décide? Avant ton arrivée, ce choix m'était réservé. Maintenant que je t'ai à mes côtés, j'entends que ce cycle dure une éternité. Si tu es le Dicaste Basileus, tu aimerais que je sois... Dicaste, juge. Que tu rendes et appliques la justice pour moi dans l'Atlantide. Alors... Je préfère te prévenir, il m'arrive d'avoir tort. Ce que tu as fait aux enfers m'a surpris et suscité mon admiration. Par tes choix, des fortunes ont changé de main. Mais j'ai surtout découvert que tu plaçais la justice au-dessus de tout. Si tu es le Dicaste Basileus, tu aimerais... Dicaste, ça je l'ai déjà... Alors, ce que tu as voilà. Fait... C'est Hadès qui t'a parlé de mon bâton. Il n'a pas eu à le faire. Ton périple, comme celui de tous les héros, est devenu la trame d'une légende atlante. Alors tu sais que ce bâton est la raison de ma présence. Je dois apprendre à le maîtriser. Cette contrée est un paradis de pouvoir pour les détenteurs d'appareils issous. Mais une chose à la fois... Alors tu veux que je vive parmi vous? Ma place serait auprès des dieux? Les dieux? Nous sommes bien plus que la notion humaine de dieu. Ton père nous appelait ceux qui étaient là avant. Mais, comme te l'a dit Aletheia, nous sommes les Issous. Tu es au fait de mon bâton, de Pythagore et d'Aletheia? Ça ressemble à de la surveillance. Tes épreuves dans l'Élysée et aux Enfers, non, tes prouesses là-bas, sont bien connues de nous. Mes épreuves m'ont poussé à la rébellion, obligé à affronter les morts. Cela ferait de moi une bonne Dicaste. Nous ne choisissons pas toujours notre voie, mais dans le cas présent, ton sang a choisi pour toi. Tu combines les deux formes d'ADN, le meilleur des humains et des Issous. Je suis sûr que tu constitues notre avenir commun. Ouais! Je pleure, je saigne, je fais autant d'erreurs que quiconque.
Comment pourrais-je être celle que tu cherches? C'est précisément pour ces raisons que tu es digne de confiance. Ta conscience de la situation est essentielle. Si tu le dis. Les humains disposent de 5 sens pour évaluer ce qui les entoure. Nous avons la chance d'en avoir un 6e, le savoir. Ah non, ça dépasse ta vision d'aigle. Ce sens dort actuellement en toi, mais il peut être éveillé dans l'Atlantide. Ton bâton n'est pas une simple clé. C'est une passerelle entre celle que tu es et celle que tu dois devenir. Et en éveillant entièrement ce 6e sens, je maîtriserai le bâton? Oui, mais plus encore. Viens, je vais te montrer. J'ai accédé à des sources de pouvoir dans l'Élysée et aux Enfers. Elles ont accru mon savoir, je crois, mais n'ont rien changé à mes sens. Dans l'Atlantide, les sources qui éveilleront ton nouveau sens seront bien plus concentrées. Ton savoir ne se contentera pas d'augmenter, il s'épanouira. Tu trouveras 3 de ces sources en quittant le palais. Tu les connais sous le nom de Vision de la Gardienne. Chouette. J'ai l'impression que personne ne peut passer. Ce passage est fermé à ceux qui n'ont pas pleinement accès à notre savoir. Trouve la source de ce savoir dans le palais. Ensuite, essaie de passer. Savoir Issou, le 6e sens des Issou, aussi appelé savoir, peut être acquis en scannant divers éléments de technologie Issou. Vision de la Gardienne, cache de données Issou, tout codex Issou, artefact Issou trouvé dans l'Atlantide. D'accord. Quoi d'autre? C'est tout? C'est déjà pas mal. Plusieurs quêtes acceptées, donc cette fois-ci, par contre, ça ne nous ment pas. Nous sommes dans la véritable Atlantide, au final. Ok. Je voulais voir un truc, quoi. Je voulais voir un truc qui s'appelle tout simplement... Voilà. Alors, c'est une lame lourde, très bien. Exécuteur d'Hadès. Quand même 5511 de dégâts par seconde. C'est pas... Ouais, c'est pas négligeable. Et en plus de ça, c'est une arme d'assassin. Même pas de guerrier, hein, d'assassin. Plus 32% de dégâts de feu. Et la probabilité critique affecte désormais l'accumulation élémentaire. Ah oui. Tandis que cette lame... Ouais, non, je vais garder cette lame quand même. Ouais. Cependant, il me semble que j'ai aussi acquis un casque. Voilà. Couronne d'Hadès. 21% de dégâts guerriers. Ouais. 32% de dégâts de feu. 100% de dégâts avec... Ok, donc je fais 2 fois plus de dégâts avec les torches, quoi. Donc c'est vraiment Osef, quoi. Osef tir. Ah. Savoir préliminaire requis. Oui, d'accord. Donc il faut que j'aille en haut. Bonjour, les... Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il fallait que j'intervienne. Je ne pouvais pas t'arrêter physiquement, mais je pourrais peut-être y parvenir par des moyens techniques. Non, je gère. Reste en dehors de ça. Bon là, clairement, c'est de l'escalade. J'ai pas compris le move là. Je sais même pas par où est-ce que je suis censé aller. Peut-être par là. Ça me paraît plus logique. Ouais, clairement. Ah. Voilà. Hache de bataille, il y a de la... Nice. Mm-hmm.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est étrange. Mais j'ai l'impression que le bâton devient une partie de moi. Je crois que je commence à comprendre. C'est comme si je pouvais percevoir les souvenirs des Issou et leur sagesse. Ok. Donc là, à partir de là, je peux normalement traverser. Par contre, là, t'as un petit... Ouais. C'est magnifique. L'Atlantide, là, ils l'ont putain de bien modélisé. Ubisoft présente. Pour la 151e fois. Le sort de l'Atlantide, épisode 3, le jugement de l'Atlantide. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire en parlant de sources plus concentrées. Je me sens différente. Bien des choses sont différentes ici, dit Cast. Tu le découvriras le moment venu. L'Atlantide t'attend. Mais il est une règle qui s'impose à toi. Nos technologies ne doivent pas être employées sur les humains. Leur corps ne peut supporter un tel pouvoir. Les Issou le savent bien. Alors, je peux y aller? Quelle sera la première tâche de la Dicast? Même l'Atlantide n'est pas une société parfaite. Elle a besoin d'équilibre. Sois cet équilibre. Lorsque tu auras rempli ton rôle de guide pour les populations, la perfection viendra peut-être. Ne t'inquiète pas. Tu as déjà acquis mon respect, ce qui est une épreuve en soi. Dicast, son éminence Atlas te prie humblement de venir le retrouver à Sadoma, afin de discuter d'une question importante. Très bien. Je me rendrai à son invitation. Éminence ? Il y a plus de rois ici, Gaspard. Ouais, on va aller voir ce stuff, vite fait, histoire de savoir ce que c'est quand même, hein. Alors, c'est un bâton. Un petit bâton. Bâton de la Dicast. Oui, très bien. Une arme de guerrier. Ouais, ça peut être sympa, mais je trouve pas ça officiel. C'est putain de stylé quand même. Ah, te voilà. Je suis honoré que la Dicast ait accepté mon humble requête. Oh, tu dois être Atlas. En personne. Je te remercie d'être venu me voir, car tu dois être très occupé. Le fardeau que t'a confié mon père est fort pesant. Ton messager a dit que c'était urgent. Une grave urgence, oui. Eh bien, je suis là. Il s'agit de mes frères, les Archontes. Ils ont des soucis avec les populations humaines qu'ils dirigent. Les tensions entre humains et Issou vont croissant. Si on ne rétablit pas l'ordre, cela empirera. Je vais tâcher d'user de ma position pour les aider. Va voir Gadiros, Enferes et Azaes. J'espère que ton exemple leur enseignera les bienfaits de la discipline, dont il manque amèrement. Tu espères que mon aide permettra de maintenir la paix entre humains et Issou. C'est bien l'idée. Poséidon aurait dû savoir qu'il n'était pas prêt à assumer les responsabilités d'Archonte. Hélas... Hélas quoi? Oui, bon, d'accord. Je vais aller voir ces Archontes et m'assurer que ces questions sont réglées. –
si velu. J'ai pas compris son space. Par contre, pourquoi il me montre ça aussi? Oh shit. Pour être stylé, c'est stylé. Plus ou moins, c'était un raccourci pour aller vers la quête, enfin l'une des quêtes. Bois de Poséidon. Ouais, ouais, d'accord. Salut toi. Copain. T'inquiète pas, je vais pas te frapper, frère. Même les bestiaux sont. Suffisamment civilisé, quoi. Oula, il y a un cadavre. Qu'est-ce que c'est? Un message. Cette armure est éparpillée dans le master. Ouais. Oh. Oh shit. C'est quand même sacrément grand au final. Ah ouais. Et je pense pas que. ça va être long les amis. Ça va être très très long. Je pensais pas à ce point. Mais ce DLC est vraiment magnifique au final. Genre on passe dans les Élysées, puis dans les abysses de l'enfer, dans le royaume d'Hadès en gros, et du royaume d'Hadès on passe au royaume de Poséidon. Ça va être quoi la prochaine phase? Genre il va avoir un chapitre 4 ou 5 en mode bienvenue dans le royaume de Zeus, c'est ça? Le troisième frère? Mais je dis pas non, hein. Je dis pas non. Mais. Ouais! Ça va être méga long. Ça va être méga long. Alors, moi ce que je voulais, c'est savoir où sont les. Points de téléportation, les points de synchronisation, éventuellement il y en avait un juste là. Voilà. On va déjà acquérir celui-ci là. Ça peut être pas mal. D'abord marquer ça au final. Comme ça au moins je sais où est-ce qu'il faut que j'aille à chaque fois. Par contre je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de grimper tout ça là. Effectivement.
vais remonter tout en haut de la structure, histoire de tout simplement avoir le point culminant. Et puis ça, au moins, ce sera fait, quoi. Ah. Ah. Non, pas si bas, pas si bas. Là, on va pouvoir accéder à ce petit point de synchronisation. Cet univers est remarquable. Vraiment très impressionnant. Oh, cette tuerie. Il y a clairement un truc en bas. Là, il y a ça. Je vais faire ça en vrai. Hop, hop. Et après, j'y retournerai là-bas. Poséidon est seulement niveau 78. Oui, oui, seulement. C'est bien ce qui m'inquiète, c'est seulement. Donc j'avais loupé ce truc là. On va retourner à l'autre stèle de l'autre côté. Est-ce que je peux appeler le cheval ici? J'ai pas l'impression, hein, on va devoir tous taper les chemins à pied à chaque fois. Heureusement qu'il y a des points de téléportation du coup. Ouais, clairement. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une suite comme ça. Mais alors tellement pas. Plus 3 de savoir, ça c'est nice. On est donc à 9 de savoir. J'imagine que c'est une barre sur 100, tout simplement.
Aïe, 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 aïe. Ah, c'est un truc de dingue. Où elle est là? On va éviter de trop se dispatcher non plus. Puisse récupérer la stèle parce qu'on n'est pas trop loin non plus. Il faudrait juste que je trouve un accès plus adéquat. Ok, je crois que j'ai trouvé l'accès. Faut juste que je puisse monter en fait. Cassandra, s'il te plaît, fais pas la conne. Bon. J'ai compris, j'ai pas trop le choix. Ah ouais, ok. Oui. En fait, fallait juste monter à partir de là en fait. Est-ce que je peux? Merci. Voilà, on passe à 12 de savoir. Non, c'est clairement pas une barre sur 100. C'est clairement pas une barre sur 100. C'est peut-être une barre sur 300, peut-être bien. Et dans ce monde-là, il y a aussi la nuit. Ok. Beaucoup plus en contrebas. Oh. Oh shit. Ok. Salut, je suis Français. Bienvenue sur le live. Comment tu vas? Porte de l'Atlantide. Ouais, on est dans un nouveau monde là du coup. En fait, on a battu Hadès tout simplement. Son frère Poséidon l'a quelque peu protégé. Merci. Et du coup, bah, il nous a proposé de le rejoindre tout simplement dans son royaume. Du coup, là, on est dans l'Atlantide. Alors, je l'ai pas buté à proprement parler, comme je disais. Je lui ai foutu tarif. Mais son frère est intervenu et du coup, bah, il est toujours vivant. Sauf que ce couillon, il s'est fait aspirer par l'une de ses propres failles temporelles. Enfin, failles temporelles. Failles. Du tartare. Donc, des abysses de l'enfer, quoi. Il s'est fait aspirer par l'une de ses propres failles de son monde, quoi. Donc on sait pas s'il est réellement vivant ou s'il est mort au final. Mais en tout cas, il est vaincu. Forge de l'Atlantide de réaliser ce qu'on... C'est un exceptionnel à l'histoire sociale. Récupérer assez de lingots d'âme. Oui, ça m'a l'air compliqué. Interagissez avec un moule, une arme correspondante au style de jeu de chasseur, de guerrier ou d'assassin. Bah, clairement, je vais pas changer, je vais aller directement sur l'assassin. Je suis un assassin, donc je vais pas varier chasseur-guerrier, frère. Choisissez avec soin, car chaque arme ne peut être fabriquée qu'une fois. Oh. Alors, je sais pas si c'est normal, mais faut croire que pour le jeu, oui, ça l'est. Bon, clairement, ici, on a trouvé la... Enfin, une forge de... Enfin, je sais pas s'il y en a une seule, mais en tout cas, on a trouvé la forge de l'Atlantide.
Et du coup, il nous faudrait des matériaux pour éventuellement forger une arme très particulière. D'ailleurs, il y a un forgeron juste en contrebas. Avec plein d'armes Issou. Et d'armure. On va juste vendre, hein, je pense, voilà. Mais ouais, on est une demi-déesse avec du sang humain et du sang divin. Mais bon, comme disent eux, les Issou, ils ne sont pas des dieux, mais juste des... Une civilisation supérieure, quoi. Une première civilisation par rapport à à l'humanité. Ce sont les anciens des humains, quoi. C'est quoi le générateur de nom? En fait, le générateur de nom, tout simplement, c'est quand il y a un animal ou un objet à nommer dans quelconque jeu, eh bien, tu peux proposer un nom directement via ce truc-là et du coup, s'il est validé, enfin, si tu... Ouais, s'il est validé, du coup, bah, il peut tout simplement être accepté. Voilà. Ça sert à tout simplement à générer un nom quelconque par les viewers. Donc si t'as une idée de nom à proposer pour un truc à nommer, bah tu peux utiliser ça. Bah en même temps, il n'y a pas beaucoup de viewers donc profite-en, j'ai envie de te dire. J'ai vraiment une toute petite communauté en ce moment donc. Autant profiter, non? Unicorn, c'est ça? Unicorn. Ah, c'est Unicorn, il me semble. Ouais, c'est Unicorn. Le nom que t'avais donné au cheval. Alors, il me semble que tu l'avais écrit. Que tu l'avais écrit comme ça. Ouais, je sais même plus. Je crois que c'était comme ça. Ouais, c'était tout simplement licorne en japonais. Ouais. C'est tout? Alors, au revoir. Est-ce qu'on regarderait pas éventuellement nous le stuff qui... que les meilleures marchandises. Les meilleures marchandises, Non, clairement pas. Clairement pas, boy. À une autre fois. Ouais, ça ressemble trop à Unicorn en anglais, ouais. Ok, on va checker la carte du coup. Il faudrait éventuellement
Je retourne ici. Cette armure est éparpillée dans des domasses de l'Atlantide. Elles sont en possession des polémarques. Et donc, dans ce secteur, je vais voir tout simplement s'il n'y a pas un polémarque. Quoique non, c'est ce gars-là, Atlas, tout simplement, qui nous a donné cette quête. Donc, ça m'étonnerait que ce soit dans ce secteur. Ouais. Donc, à mon avis, il doit y avoir 5 autres domas qu'il va falloir que je visite. Donc, je vais quand même aller au plus proche ici pour ensuite aller activer cette quête, je pense. Voilà. Par contre, ouais, ce monde est vraiment insane. Comment je fais pour remonter rapidement? Il n'y a pas un moyen de remonter rapidement? Monte pas là, s'il te plaît, Cassandra. Oikos de l'Atlantide. Ouais! C'est méga stylé. Je te jure, je trouve ça méga stylé. Bon, bah, on va grimper. On va grimper, tout simplement. Archive de Tinia. Ouais. Donc on a trouvé... Enfin, on est à proximité de la porte de niveau 2 pour le savoir. Sauf qu'on ne va pas pouvoir y accéder étant donné qu'on n'a même pas encore le savoir, le potentiel de savoir nécessaire. Yuka. En regardant des animés, j'ai retenu un look. Souka. Ah! Pourquoi Souka? Parce que, à la limite, tu vois, t'as glissé sur le Y, limite, Yuka, ça pourrait très bien. Ça pourrait très bien aller comme nom pour le cheval, quoi. Alors, t'es sûr que c'est pas plutôt Soka plutôt que Souka? Alors, appeler son cheval Sol alors qu'il a des ailes et une corne, ça le fait moyen, effectivement. Mais même l'appeler Je vois, ça fait moyen aussi. Je vois, viens au pied. D'accord. Bah, dans la plupart des animés que je regardais... Il prononçait ça Soka et je ne sais pas pourquoi du coup. Mais ouais, pourquoi pas, mais ça fait très moyen quand même pour un cheval ailé de type licorne. Il va quand même falloir que j'explore ces lieux en vrai. Il va peut-être falloir que j'explore un nombre incalculable de lieux. De sorte à tout simplement trouver ce qu'il faut pour les quêtes. Ok, donc là c'est le jardin de machin. Là il y a un truc pour monter et descendre, donc on va aller là maintenant, histoire de dévoiler au moins le secteur.
Puis ensuite on ira activer la quête. Et ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est bien Sokka. Gentil le... Ouais. Oula. Alors, bonjour. Je dois rester hors de vue. Ça m'intéresse. Ce qui se passe ici, ça m'intéresse. On a trouvé un Doma. Doma des Vaimon. Des Vaimon. Je sais pas comment ça se prononce. Tu vas me dire que même ici, il y a des Ostraka ? Oui, effectivement, il y en a. Dame ? C'est quoi ce truc ? On va voir. Hein. On va voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est, tout ça. Tout ça. On a vraiment tout un nouveau monde à explorer, donc... Lui, il a le dos tourné. Il m'a pas vu. Je jure, il m'a pas vu. Genre, pourquoi tu m'as pas vu, toi? C'est tapis pour lui. Coucou. Je vais aller découvrir alors, grâce à Tensei. Ah, d'accord. Bah, encore un anime qu'il faut que je rattrape du coup. Je t'avouerai que les animes, il y en a énormément que je ne connais pas. Plus 10 de savoir. Nice. Corps me démange de partout. Et un point de compétence santé. Deux saisons, la première de 25 épisodes et la deuxième... seulement 12 ? Ah, oh, c'est un peu bête ça. Seulement 12 épisodes pour la deuxième. Il ne reste plus que le truc d'énigme à récupérer. Du reste, où est-il? Petit truc d'énigme. Il y a ça aussi à récupérer là. Je vais mettre un marqueur là. Cependant, il faudra que j'aille chercher un truc avant. Enfin, vérifier un truc du moins. Voir. Découvrir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ok, donc il y a un autre coffre de savoir là. Mon truc est juste ici. Très bien. Moi, ce que je voulais savoir, avant tout, c'est qu'est-ce que c'est que cette putain de chose que par là. Est-ce que c'est... Oui, c'était là. Ok. Donc c'est bien par là. Honnêtement, sur
tous les animes que j'ai regardés, c'est le meilleur. Histoire, ouais, non. Enfin... Si, ouais, si, vas-y. Si, si. Sans spoil, si tu peux. C'est préférable. Mais ouais. Qu'est-ce que c'est que ce machin contrebas là? Ok. Bah c'est pas forcément utile du coup. C'est... Ouais. Je sais que je dispose de meilleurs équipements que ce que j'ai déjà, mais Osef. Les choses me disent quand même qu'on va devoir revenir à cette zone-là pour faire certains trucs. Mais moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est pas ça dans les médias, c'est juste gagner du pouvoir, enfin, gagner du savoir, de sorte tout simplement à pouvoir accéder à certaines zones et faire aussi des quêtes, de sorte à tout simplement terminer le DLC au plus vite. Sauf que je peux pas aller plus vite que la musique en fait. Je suis obligé de découvrir à peu près tout l'univers de ce royaume. Ouais. Là, clairement. Je vais passer par là, je ne sais pas du tout. Je sais pas où est-ce que... Parce que si c'est à l'intérieur, c'est mort. Porte Issou, chaque séquence de savoir compléter accordée à Cassandra, à les portes. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas assez de savoir. Et clairement, c'est... ça m'a l'air d'être à l'intérieur, ça. Donc, ça sera pas pour maintenant. Ok, je vais aller au niveau de la quête, juste là. Ouais. Tu veux m'expliquer de quoi il s'agit? Non, non. Ça va aller. Dicast, tu peux arranger tout cela. Je m'appelle Lyra. Et tu es toi? Tu as aidé tellement de gens. Tu es incroyable et magnifique et puissante et tu es là. Assez. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Oui, pardonne-moi. Mais ta présence confirme toutes les légendes. Tu existes. Et être devant toi en ce moment, c'est... D'accord. Ils t'ont traité de meurtrière. Tu n'en as pas l'air, mais en tant que Dicast, je dois m'en assurer. Ils sont persuadés que j'ai fait tout ça à cette pauvre famille. Ils disent que cela ressemble aux autres meurtres. Mais j'en serais bien incapable. Je t'en prie, innocente-moi. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Oula. Dites-moi où a eu lieu l'attaque. Sur la route.
Excuse-moi, je finis juste le dialogue avec la meuf là, et puis après, bonne idée. Merci. Je lis ton message. Tu es une dicaste d'exception. Ok, donc. C'est un mec qui se réincarne en slime, ça j'avais compris. Je vais pas te dire comment, c'est vraiment un truc tout bleu. Ah, bleu! Un slime, généralement, c'est plutôt vert. Enfin, pourquoi pas, on va dire bleu, ok. Et puis, il acquiert des compétences avec sa capacité du grand sage. C'est l'équivalent de Jarvis. Capacité ultime. N'importe quoi. C'est excellent, ça. Un peu comme Kirby. Si je comprends bien, les compétences, un peu comme Kirby. Bref, il sort de sa grotte en rencontrant un dragon. Il devient copain. What? Park? Il faut le faire sortir le slime, le bouffe, avec sa capacité ultime, car il a bu un village sans faire exprès. Ah, buté. D'accord. Et ça, c'était le message 1 sur 2. De ce que je comprends. Eh bah, piti. Ça me donnerait presque envie de regarder ton anime. D'ailleurs, ça peut être pas mal, ça. Faudrait qu'on se fasse une soirée anime un de ces jours, quand la commune sera un peu plus développée. Ah, d'accord. Ça veut dire que ça se déroule quand même rapidement, quoi, au final. L'histoire, elle se met en place très rapidement et il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps. Peut-être que quelqu'un a vu ce qui s'est passé la nuit dernière. Oh, la grande Dicaste. Pour quelle raison me rends-tu visite ? J'enquête sur l'agression, celle de la nuit dernière. Ah oui, bien sûr. Mais je pensais que cette affaire était réglée. Tu parles de la foule qui s'en est prise à cette femme ? Je crois que j'en ai déjà assez dit. Souviens-toi que je suis la Dicaste. Crois-moi, ceux qui refusent de me dire ce que je veux savoir le regrettent amèrement. Tu as déjà rencontré la coupable. Lyra ? Tu es donc de l'avis de cette foule ? Bien sûr que oui. C'est moi qui l'ai dénoncée. Je l'ai vue cette nuit, couverte de sang et tout agitée. Il faisait sombre. Comment peux-tu en être sûr ? Ah, je sais ce que j'ai vu. Il est bizarre, lui, hein. C'est à propos de ce qui s'est passé cette nuit. Comment le sais-tu ? Tout le monde en parle. Et si la Dicaste est là, ce ne peut être que pour enquêter. Si tu as vu ou entendu quelque chose, tu dois me le dire. J'ai vu, mais de loin. Entendu aussi. Je n'oublierai jamais son hurlement. Tu as vu un loup ? Une bête, plutôt. Si tu la vois, enfuis-toi. Je ferai attention. Ouais, les gardes sous s'en battent les couilles. Ces traces de pas sanglantes sortent de la maison. Le meurtrier est parti par là. On ne s'est pas servi d'une lame, mais plutôt de griffes. Cette étoffe ensanglantée ne correspond pas aux vêtements de la mère, ni à ceux de la fille. Elle doit appartenir au meurtrier. Je dois retourner voir Lyra et lui dire ce que j'ai trouvé. Oui. On va aller faire ça tout de suite. Demain fortifié. Ouais, on va voir ça aussi juste après. Ouais, ça peut être pas mal de faire les demain. Alors, trouver les pièces d'équipement. Tu as découvert ce qui s'est passé ? Ce que j'ai pu trouver est contradictoire. Dis-moi tout. J'ai pu rencontrer deux témoins. Une femme a entendu un loup hurler
mais un homme déclare t'avoir vu toi, couverte de sang. Et tu sortais de chez eux. Mais il ment ! Oui, il se trompe. Il faisait sombre, ça aurait pu être n'importe qui. Il y a autre chose. Les coups mortels n'ont pas été portés par une arme. Ah oui ? Par quoi ? Cela ressemble à... des griffes. Et il y avait un morceau d'étoffe. Qui ne correspondait pas aux vêtements des victimes. Ça, c'est... Mais c'est à moi ? Mais pourquoi était-ce là-bas ? Quelqu'un veut absolument que je sois accusée ! Dis-moi la vérité, Dicast ! Ah, pour moi, c'est clairement une bête qui a tué les gens, parce que c'est pas des lames ou quoi que ce soit, mais après, à moins qu'elle puisse se transformer, je pense pas qu'elle soit coupable. C'est le fait d'un loup, ou je ne sais quoi. Il est clair que ce n'était pas toi. Bien sûr que ce n'était pas moi! Mais pourquoi quelqu'un veut-il me faire accuser? Nous allons le découvrir, dès que j'aurai tué cette bête. Tu vas la tuer? Je ne vois pas d'autre solution. Tu as envie d'avoir encore une foule à tes trousses? Non, bien sûr que non. Mais je n'ai jamais aimé qu'on tue les animaux. Si je ne le fais pas et vite, elle tuera d'autres gens. Je connais quelqu'un qui pourra me mettre à l'abri pendant ce temps. Ok. Faut que je trouve la bête et que je la tue avant qu'elle n'attaque quelqu'un d'autre. Ouais, alors juste... D'abord ton texte. Bref, ensuite il sort de la laboratoire et avale tout ce qu'il voit et crée des potions de soins ultra efficaces avec les fleurs de mana. Qui a promu le dragon en sortant. Ah d'accord, au calme. Genre, le machin, tu lui donnes un nom, il est sur... survalorisé, quoi. Suramélioré. Il faudrait juste que j'aille en haut. On va y accéder comme ça, en grimpant. Ouf. Non, effectivement, c'est pas un loup ordinaire, ça. Malaka, Lyra. Cette meuf est un putain de loup-garou. J'ai déjà vu cela. Un minotaure, un cyclope, une gorgone. Tous étaient des humains possédés par de puissants objets issus. Le seul moyen de les arrêter a été de les tuer. Mais toi, tu parviens à reprendre forme humaine. Ton cas est différent. Je ne me rappelle pas être venu ici. Ni pourquoi. D'après moi... Cet aspect de toi se savait découvert. Peut-être a-t-il pensé que son seul choix était de venir ici. Cet aspect de moi ? Il y a peu, en rêve, j'étais dans une salle éclairée. Attachée. J'avais mal partout. Tout cela n'était pas un songe. Alors c'est moi qui les ai tués. Je ne m'en souviens pas, mais c'est bien moi, n'est-ce pas ? Bah ouais. C'est pour ça que qu'il faut que tu meurs au final. Pour éviter si de recommencer. Tu es consciente de faire toujours le mal, sans pouvoir te contrôler. T'en empêcher. Le ferais-tu ? Je ferais quoi ? Sauter.
Je peux pas mourir en sautant. Mais on va pas l'en empêcher. Perdre le contrôle de soi-même et ne jamais le retrouver. Non, je ne sais pas ce que je ferai. Je m'en doutais. C'est le seul moyen. Si je dois mourir, je veux décider moi-même de l'heure de ma mort. Rien ne t'oblige à faire ça. On a décidé pour moi. Je ne peux pas vivre après ce que j'ai fait. Et que je referai sûrement. Merci. Pour toute ton aide. C'est pas une mort glorieuse, ça, meuf. Carrément. Alors, où est-ce que j'en étais par rapport à ton truc? Ouais, sinon, le slime leur donne pas tous un plaisir. Ensuite, ils rencontrent plein de personnes. La technologie sous-transforme ceux qui ne parviennent pas à la maîtriser. Ce qui explique ta propre agression, Layla. Je reste moi-même. Je suis moins faible que tu ne le penses. C'est quand le village? Gobelin. Ça a l'air drôle quand même, ça m'a l'air quand même sacrément what the fuck ton ami. Comment t'as dit ça par rapport à la bouffe? La secrétaire des slimes, rien que ça. Rien que ça. Ouais, alors, déjà là, on a fini une quête. C'est pas mal en vrai. On a fait ça. Demain fortifié, on peut pas y accéder. Il faut qu'on soit au niveau 3 de Astikens de Savoir. Me peut se transformer en humain. Il y a une longue histoire du pourquoi du comment. Ok, mais en fait, c'était un humain de base qui s'est réincarné en slime. Donc pourquoi il se retransforme en humain si... Ouais. Enfin, comme tu dis, il y a toute une histoire, mais... C'est quand même particulier. Je pense que je vais explorer plutôt ce... là, je vais faire comme ça dans le sens horaire, comme ça je vais d'abord explorer le premier cercle. D'ailleurs, je suis pas allé là, donc une fois que je serai vers le haut, je pense que je me rapprocherai de ce point là histoire de voir ça. C'est pas le même humain qu'on sait rien qu'un an, il a changé de monde. Je vois. Et tient magnifiquement debout. Ouais. Je sais pas si ça tient magnifiquement debout au sens que tu le dis, mais... S'il y a un minimum de cohérence qui fait qu'au final, tout finit par devenir logique, ouais, on peut dire que ça tient debout. Est-ce que tu peux juste me réécrire le nom de l'animé, s'il te plaît? Ou alors me le réécrire en MP que je sache pour plus tard.
D'accord, donc ça c'est découvert, c'est une porte de niveau 1. Mais en fait, Non, il doit y avoir d'autres portes. Elles peuvent pas être toutes regroupées ici, c'est pas possible. Pas en un si petit endroit. Premier cercle, je vais pas m'éparpiller, premier cercle. Ouais, mais le machin il est juste là. Pré-rue. Je vais aller là. Osef. Il va y avoir l'escalade. Il va y avoir beaucoup d'escalade. Vost Free, ça me parle. C'est un site de streaming, il me semble. Où il poste de nombreux animés en Vost FR, justement. Il y a principalement en Vost FR plutôt qu'en VF. On n'a pas tous les mêmes moyens. J'ai envie de te dire, on fait un peu comme on peut. Ok, donc là j'accède enfin au point de synchronisation. Et attends, c'est des colosses ça. Ce sont des colosses. Ok. One shot. Ah, je l'ai pas one shot celui-là. J'ai principalement... Alors déjà je regarde, je n'aime pas vraiment la lecture. Mais j'ai principalement regardé les grands classiques de type... Death Note. De type aussi Naruto. Enfin voilà quoi, ce genre de truc. Là je suis en train de me retaper tout l'animé de Fairy Tail. Mais quand je dis tout l'animé, c'est vraiment tout l'animé. Je suis bientôt fin de saison 3 là. Donc un peu plus de 100 épisodes sur les presque 800 et plus. Ouais, j'ai un chat qui me rend régulièrement visite là en ce moment là. Hein ? Donc mort. Bah ouais. Fripon. Est-ce que j'irai pas juste explorer là, histoire de... Ouais, bah si, je suis juste à côté donc. Allez. Tour de la logique. Pas vraiment très logique hein, tout ce qu'on voit, mais why not. Alors si j'y vais là, c'est... Ah bah si, on peut appeler le cheval. Je sais pas pourquoi il y a des secteurs que je pouvais pas. Ah ah, encore un Domas. Très bien. Et ça m'intéresse.
clairement. Ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout les trucs de savoir. Le reste, bah, je m'en fous. Dis-moi, qu'est-ce que c'est là? Un simple coffre. Ok. Alors. Ouais, effectivement, il y a un mot qui n'est pas très approprié. Fairy Tail. Alors déjà, ça ne s'écrit pas vraiment comme ça, mais... En gros, c'est ni plus ni moins Attends, d'abord, je vais quand même lire ton message, même s'il n'est pas affiché pour le reste des viewers. Non, on est d'accord que Goku est largement supérieur. Goku est largement supérieur. Sinon, Fairy Tail, ouais, ça parle de tout simplement un gars qui s'appelle Natsu et d'une guilde qui s'appelle Fairy Tail, justement. Et ça se passe dans un monde de magie avec des mages, tout ça. Et Natsu, donc, est un chasseur de dragons qui a été abandonné très jeune par le dragon qui l'a élevé. Tout ça, et puis il y a de différents ennemis, tout ça, qui pop un peu de manière random, mais tout est expliqué. Et du coup, ouais, ça se passe dans un monde de magie, grosso modo, avec l'histoire d'une guilde et d'un personnage principal qui n'est autre que Natsu, et quelques autres personnages secondaires, enfin, principaux, entre guillemets, secondaires, qui sont plutôt intéressants aussi à connaître. Alors, j'aime bien Naruto, mais au bout d'un moment, c'est vraiment très relou, surtout avec leur phase de... Tiens, voilà un flashback. Tiens, revoilà un flashback. Et tiens, voilà un flashback dans un flashback. Frère, au bout d'un moment, stop, quoi. Mais ouais. C'est... Il y a des trucs, c'est vrai que c'est un peu chiant. Regarde trop ça, cet épisode. Ouais, moi c'est pareil, il y a un truc que j'ai arrêté comme ça parce que ça devenait vraiment casse-couille au bout d'un moment. Bah, c'était tout simplement The Walking Dead. J'ai complètement décroché parce qu'au bout d'un moment, bah, ça devenait vraiment n'importe quoi. Alors, j'ai un nouveau point de compétence. Je vais tout de suite attribuer. Hop. Voilà, plus de 12% de dégâts d'assassin. Alors, clairement, je vais faire ça. Ok, pas de soucis. Ici, un peu juste là, c'est nice. Voilà, coffre 3 sur 3, il me manque juste l'une de leurs torches à la con, et puis après on est good. Elle est juste là. Hop, du coup, on va aller check ce qu'il y a de ce côté.
Alors, descends. Voilà, merci. Ouais, alors c'est pas forcément très intéressant d'y aller. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah, merde, il y avait une tyrolienne. Bon, tant pis. Ok, je peux pas appeler le cheval ici. Toujours pas. Ouais, je peux vraiment pas appeler le cheval partout. Ouais, bah tant pis. Hein. Ah, attends, juste là. Alors, qu'est-ce que c'est? Une porte. Et pas des moindres. Vision de guerre. Ok. Donc là, on a trouvé l'une des visions de la gardienne. Enfin, l'entrée de l'une des visions de la gardienne. Sauf qu'on n'a pas encore accès. Alors. Là, il doit y en avoir un autre, justement. Une autre entrée. Et quelque part par là, je pense qu'il y en aura une autre aussi. Ok, non, pas par là, du coup. Sinon, ça nous aurait affiché au moins un point d'interrogation, je pense. Alors, maintenant qu'on a un petit bateau, tout ça, je pense qu'on va se rendre à peu près à ce niveau-là. Ouais, tout n'est pas encore affiché sur la carte, hein, clairement. Death Note, combien d'épisodes? Je sais plus. Je sais plus. Je crois qu'il est en 2 saisons sur. Et ouais, je crois que c'est du 24 épisodes par saison. Grosso modo. Vraiment grosso modo. Après, ça fait longtemps, donc je ne sais pas te dire exactement... Non. Death Note, non. Ça m'aurait pas déplu. Mais ça aurait été beaucoup trop long pour ce que c'est. Après, j'ai vu Tokyo Ghoul aussi. Enfin, vraiment les grands classiques. Hein. Je regardais les principaux classiques. SNK, non, je l'ai pas regardé. Ça m'a pas vraiment intrigué. Je passe par là. Clairement, faut que je passe par là. Enfin, après, quand tu parles de SNK, c'est en français, c'est l'attaque des Titans. Parce que si c'est ça, oui, je l'ai vu. Ouais, l'histoire est bien, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais. Oui, l'attaque des Titans, je l'ai regardé aussi. Je les ai tous vus également. Et ouais, j'étais un petit peu déçu de la dernière saison. Mais par contre, l'histoire est franchement sympa, avec pas mal de rebondissements, tout ça. Mais... C'est... J'étais déçu de pas mal de choses dans la SNK.
ne serait-ce que du héros principal. J'ai vu les deux premières saisons de My Hero Academia aussi. Mais pas plus. Pas plus. Pas regarder encore la troisième saison ou quoi. Ils ont mis une dernière saison avec des gens inconnus. Pas compris ce qui. Ça ne m'étonne même pas. Hop. Je vais aller là du coup. Ah, nice. Bon, du coup, on a vu le cheval popper en direct, c'est pas grave. Quelque chose par là pour sûr. D'accord. Mais ouais, moi je me suis arrêté à fin saison 2. J'ai pas regardé la troisième encore. Et en vrai, c'est plutôt sympatoche, mais bon, c'est. Je sais pas, je trouve ça un peu répétitif par moment. Le mec, il fait quasiment que de se blesser, tout ça. Il évolue, certes, mais il fait quasiment que de se blesser, quoi, au final. Mais ouais, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne histoire qui est construite autour. Je dois me montrer prudente par ici. Et merde. Ouais, parce que dans les premières saisons, clairement, c'est juste une merde, quoi, littéralement, on peut pas dire autrement. One Punch Man, j'ai regardé les... Ouais, j'ai regardé la totalité, il me semble. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble avoir regardé la totalité. Jusqu'au grand vilain, là, dans l'espace, où... Ben voilà, quoi. Où il n'arrive pas à l'avoir en un seul coup, du reste. Oui, bien sûr. Il pouvait. Il avait pas envie. En même temps, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, quand t'es genre quasi invulnérable et que tu butes tout le monde en un seul coup, bah... T'es bien contente de trouver un adversaire qui supporte au moins des petites tapes sur l'épaule, quoi.
Bon, est-ce que j'ai tout récupéré ici? Absolument pas, il me manque genre ça. Voilà. Les scènes de la troisième saison. Là-dessus. Ouais, tu m'étonnes. Faudrait que j'aille là d'abord sur la gauche et ensuite je retourne en arrière. Ok, donc là il y a encore une porte. Niveau 2, je dirais. Pas du tout. C'est une archive que je peux déjà accéder? Et oui, oui. D'accord, je peux accéder directement dans cette archive. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Déjà, quelque chose me dit qu'il y a pas mal d'ennemis. Mob psych... Ouais. Bah écoute, ça peut être sympa aussi à voir. Ça peut être sympa, effectivement. Pas le temps. Il n'y avait pas un colosse aussi dans les parages? Si, là juste en contrebas, mais il y a d'abord un adversaire qui est lui bien vivant. Voilà. Allez, toi, donne-moi de l'XP, s'il te plaît. XP gratos, voilà, merci. Ainsi que quantité quand même astronomique de drachmes. Je vois que j'ai quand même 2 points d'attitude à attribuer. Là. Et on passe à 15, presque. 14,4. 14,4% de dégâts d'assassin supplémentaires. En plus de ce qu'on a déjà. C'est raté. Pour voter Kinesie, finalement disparu. Ah, bonjour vous. Je peux pas lire mon message tranquille là. Je peux pas lire ce que dit mon viewer tranquille là. Voilà, merci. Je disais. Enfin, je lisais plutôt. Ouais, c'est pas faux. M50. Désolé, mais ça me fait rire. De la manière que tu me le décris, ça me fait rire parce que. Ouais. Par contre, c'est pas très gentil quand même de dire que sa virilité est égale à la mienne. Je sais pas trop comment le prendre, ça.
autre truc en face. À moult personnes. Mouah ! Pardon. En vrai, j'estime pas que je sois vraiment viré là, clairement. Il me manque le lingot là. Où est-ce qu'il est ce truc ? Le lingot, je veux clairement le récupérer. Je peux pas escalader là, frère. Pas là. Alors. Excuse. Wisebot, t'es un peu casse-couille. T'inquiète. Où est ce foutu coffre à lingots ? Là, je suis déjà venu ici. Il y a une salle secrète, ça se passe comment là ? Si ça se trouve, c'est juste là. Oui, bah ça m'a tout l'air d'être ça. Oh, ce métal est lourd. Et il y a un message. La forge de l'Atlantide. Ouais. On peut l'utiliser pour fabriquer des armes. Il faut que je trouve cet endroit. Mais je l'ai déjà trouvé cet endroit là. C'est bon, t'inquiète. Pourquoi ça m'a déclenché une quête ? T'inquiète, de toute façon moi c'est pareil, je vais pas trop tarder à couper le live là. Je vais juste terminer le secteur là, c'est-à-dire j'ai fait la zone sud, y a pas de souci. J'ai fait pratiquement la zone ouest. En gros il me reste ça là pour faire la zone ouest et puis après de toute façon je vais tout simplement arrêter le live là. En tout cas pour ce soir, on aura fait. Pas mal d'exploration de ce nouveau Allez. Monde, clairement. On aura terminé le royaume d'Hadès, tout ça. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Et je pense que d'ici 2 ou 3 lives, on aura potentiellement fini, ou quasi fini, le DLC. Il y a une giga tyrolienne là. Vas-y, il faut que je l'utilise. Ouais, il va falloir que j'utilise la tyrolienne. Ça m'évitera d'y aller à la nage. J'aurais pu prendre le bateau puis escalader par la suite également, mais je pense que la tyrolienne est 1000 fois plus pratique. Ouais, au final, j'aurais très bien pu y aller en bateau. Alors, demain fortifié, est-ce que... Non, il n'y a pas vraiment l'air d'avoir de porte ou quoi que ce soit, donc on va se le faire. Ouais, par là.
On va se le faire et ça sera le dernier truc du live pour ce soir. Je vais devoir faire très attention par ici. Je peux pas passer là. Ça commence. Ah. Oui, mais c'est qu'il y a du peuple, hein, clairement. Il m'a l'air d'y avoir quand même beaucoup de choses intéressantes. Ça m'a l'air vaste. Très vaste. Mais non, je vais pas avoir d'ennui, t'inquiète. Tu retournes pas. Bien. J'aimerais bien passer niveau 81 en vrai. Fait spot? Non. Fausse alerte. Vraiment, principalement les choses qui sont intéressantes sont dans ce secteur. Peut-être pas m'amuser à tuer tout le monde. Ah boy. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement, ça peut être pas mal. Bon. Allez, viens. Qu'est-ce qui peut faire ce bruit? Du coup, l'autre fait demi-tour. Quelqu'un veut attirer mon attention? Bah oui, bien sûr.
Pourquoi je peux pas l'assassiner direct? Encore un autre qui descend. Ils sont combien, ma parole, l'eau? Briser le colosse, ça évitera de quelconque ennui. Plus 3 de savoir. Ça c'est pas trop mal. On a récupéré un autre point de compétence. Et au passage, on est bientôt arrivé au niveau de la du premier palier du savoir. Ça n'a pas activé. C'est pas grave. Je me suis pas content. Oh non, putain, je vais devoir tout recommencer. C'est une blague. J'ai même pas eu le temps d'esquiver quoi que ce soit. Je vais devoir recommencer tout de masse. Je vais juste checker un truc. Ok. Ah ouais, mais je respawn là? Ouais, tristesse. Bon bah on va retourner là-bas, hein, on va faire ça. Donc là, si je dis pas de conneries... Bah tiens, il y a un bateau juste là, on va le prendre. Pas besoin d'aller plus loin. Oh, je jure, ça passe pas là? Bah, bien sûr que si. Ouais, bon, je sais pas piloter un bateau, ouais.
puis elle est comme ça au calme. Bonjour, je ne fais que passer. Ah ouais, mais il y a vraiment, c'est vraiment très très éparpillé, très très vaste. Du coup, je vais commencer par l'aile gauche peut-être. Tu peux pas ouvrir cette porte. Bon, c'est mort. Voilà. Mais grimpe. Ah d'accord. Bon. Ah, je vais pas m'énerver, je crois que le jeu il a... Là il est en train de me dire stop, clairement. Le jeu est en train de me dire stop, clairement. Donc, ouais, ce que je vais faire tout simplement, c'est mettre un terme tout de suite au live. Hein. Arrêter pour cette session en tout cas. Puis, on se retrouvera tout simplement dans une autre session pour torcher littéralement le monde de Poséidon, hein, le monde de l'Atlantide. Mais ouais, ça se fera, je pense, en 3 à 4 sessions, grosso modo. 3 à 4 gros. Ça dépend du. Tant que je mets sur les sessions, si c'est du 3h, si c'est du 5h, tout ça. Mais grosso modo, j'estime 3 à 4 sessions, pardon. Donc ouais, ça fait quand même un bon gros DLC. Beaucoup de contenu supplémentaire, pas mal d'histoires, tout ça. C'est vraiment un très très bon DLC pour le coup. Sur ce, les amis, je vous laisse pour ce soir et je vous dis tout simplement à la prochaine. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.